La douleur péri- et post-opératoire Acigam. Avec une triple action contre les inflammations des tissus mous, action antalgique supérieure à celle du paracétamol. Action anti-inflammatoire rapide, Cmax obtenu en 1 heure. Action antipyrétique. Acigam. We'll discuss strategies for making sure your veneers and aesthetic dentistry last in this world of stress and bruxism and occlusal problems. See you there. Don't miss it.
Vous êtes à la recherche de la meilleure formation professionnelle en matière de santé? Des cours en ligne ou en présentiel? Des ateliers pratiques, des conférences, des congrès, mais aussi des symposiums, des webinaires et bien plus encore? BK MedEvent est la meilleure plateforme de connexion entre les professionnels de la santé et les acteurs de la formation continue. Sur la plateforme en ligne de BK MedEvent, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut. Des prestataires du monde entier réunis en un seul endroit. Et si vous êtes des prestataires de la formation continue, nous avons une bonne nouvelle pour vous aussi. Juste restez focalisé sur votre programme scientifique et BK MedEvent se charge du reste. De l'inscription des professionnels de la santé à la remise des attestations, en passant par une campagne de communication professionnelle pour mettre en valeur vos projets. Bonjour chers Sawasoliens, Ramadan Mubarak Karim. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre série de webinaires ramadanesques, pour votre fidélité, votre confiance et votre engagement. Je tiens également à remercier nos chers sponsors et partenaires pour leur soutien. J'ai le grand honneur aujourd'hui de vous présenter le sixième webinaire qui est très très intéressant et qui s'intitule « Gérer les limitations de l'ouverture buccale » et qui sera présenté par notre cher professeur libanais Camille Haddad, un conférencier de renommée internationale. Je vais commencer par une petite présentation de Dr. Camille Haddad. Le Dr. Camille Haddad est un professionnel dentaire accompli qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement. Il a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en 1991, puis un CES de biologie de la cavité orale, anatomophysiologie à Aix-Marseille 2, France en 1992. Il est également titulaire d'un diplôme universitaire de prothèse adjointe totale et d'un diplôme universitaire d'occlusodontie obtenu à Aix-Marseille 2 en 1993-1994. Il a obtenu un certificat de maîtrise de base moléculaire de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, une maîtrise de sciences médicales de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en 2002 et un master en sciences biologiques et matériaux de milieu buccal dans l'option sciences biologiques de la même université en 2005. Il a poursuivi un doctorat en biologie et matériaux de l'environnement buccal et il a rédigé plusieurs thèses et publié des articles dans différentes revues dentaires sur PubMed et Scholar. Il a travaillé en tant que professeur assistant dans le département de prostodontie et d'occlusion de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le Dr. Haddad est un membre actif de plusieurs associations et affiliations. Il est également président adjoint de la Société libanaise de prostodontie et membre fondateur de l'Association arabe des douleurs orofaciales. Depuis 2006, il est responsable du service de prostodontie, d'esthétique, d'orofaciale dans un département en pratique privée à Doha, Qatar. Alors, professeur, bienvenue parmi nous. Je vais vous passer la parole pour commencer votre présentation. Bonsoir, merci Dr. Nada pour cette jolie présentation, cette chaleureuse présentation. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir, avec tout le groupe Tawassol, ce professionnalisme excellent. Je dois vous remercier Dr. Kemel pour cette invitation chaleureuse. Il y a quelques années, j'étais à Marrakech, au Maroc. J'espère s'y retrouver personnellement bientôt. Je vais immédiatement lancer la présentation pour qu'on puisse commencer. Et voilà, donc je laisse les questions à la fin. Comme ça, on pourra discuter si vraiment on a des questions au sujet de la présentation. Donc, le sujet aujourd'hui est un sujet d'intérêt non seulement aux dentistes, mais à toute la communauté médicale, puisqu'effectivement,
les limitations, les blocages de l'ouverture buccale ne sont que des pathologies, des dysfonctions qui peuvent passer dans le cabinet dentaire, ils peuvent passer dans un hôpital, ils peuvent passer chez l'orthophoniste, ils peuvent passer dans toutes les pratiques médicales. Effectivement, cette présentation, je devais la donner au Maroc l'année passée. J'espère de la redonner l'année prochaine, donc au Maroc. Effectivement, je présente, avant de commencer, quelques photos quand j'étais en 2018 à Marrakech, la ville que j'ai aimée et j'ai adorée. Et je me souviens bien la beauté du pays. J'espère la prochaine fois, on se retrouvera là-bas. En fait, comme vous l'avez dit, Dr Nada, au service de prothèses fixées et d'occluso à la faculté de médecine dentaire à l'UASI, ça fait un certain moment avec mes collègues qu'on reçoit plein de patients, donc des patients que ce soit en quotidien, donc en soins quotidiens, ou bien des patients qui sont référés pour des dysfonctions crânio-mandibulaires au service. Et parmi ces patients-là, parmi les patients quotidiens dans les cabinets dentaires, on a beaucoup, beaucoup de patients qui viennent avec des douleurs non reconnues, donc sans étiologie claire. Et que ces patients-là, effectivement, se présentent avec une pathologie de limitation, mais parfois, souvent, ces patients ne le savent pas. Et donc, à l'époque, on appelait ces dysfonctions-là trismus pour décrire tout ce qui est limitation aiguë ou chronique des ouvertures buccales. Effectivement, le mot trismus, qui est une appellation commune, est une contraction constante et involontaire des muscles de la mâchoire. Cette définition qui date depuis très longtemps, parce qu'en fait, depuis l'apparition de la maladie du tétanos, qu'on a commencé à parler des trismus et autre chose comme ça. Donc, ce trismus-là, il diminue généralement, voire empêche l'ouverture buccale. Et en général, cette pathologie-là doit disparaître quand on fait une anesthésie générale. Et donc, c'est important de définir un peu les choses parce qu'effectivement, on a besoin de différencier entre les trismus communs qu'on entend parler et les constrictions permanentes qui vraiment sont des constrictions non résorbables à travers les anesthésies générales. Donc, le mot trismus, il vient du grec et qui voulait au début du siècle définir tout ce qui est effet de la tétanie, donc du tétanos. Aussi, on appelait ceci le lockjaw. Actuellement, en clinique, on parle de trismus pour définir tout ce qui est limitation et blocage au niveau de l'articulation. Mais en fait, avec la dentisterie moderne, on a essayé de différencier entre ces deux pathologies-là, ce qu'on appelle le trismus et ce qu'on appelle le blocage articulaire, musculaire de l'articulation temporomandibulaire. Et donc, c'est important de différencier actuellement parce qu'en fait, on a tendance à plus parler de limitation avec des closed blocks, ce qu'on appelle des blocages de l'articulation. Alors, dans les cas de trismus, on est plus vers des limitations d'origine infectieuse, des limitations d'origine post-radiatique, comme chez les patients qui se présentent avec des cancers qui sont irradiés. Et donc, là, nous avons une petite différence. On verra plus tard. C'est important de différencier entre les deux. En fait, la contracture musculaire prend trois formes de point de vue physiopathologique. Vous avez la contracture algique, vous avez une contracture antalgique et vous avez une contracture qui est analgique. Dans le premier cas, quand c'est une contracture algique, c'est le muscle lui-même qui va provoquer la douleur, comme par exemple la crampe. Dans une crampe, vous avez une douleur qui vient du muscle lui-même. Dans la seconde forme des contractures, vous avez des contractures qui font suite à une douleur voisinante, comme par exemple les cas des articulations temporomandibulaires, où vous avez une douleur qui va provoquer un effet à distance dans les muscles voisinants. Et vous avez une dernière forme de contracture, ce qu'on appelle les analgiques, où vous avez une constriction, une restriction de l'ouverture buccale sans douleur. En fait,
Si on essaie de voir un peu dans la littérature quel est le pourcentage d'élimination, ça varie, dépendant des publications, entre 5 et 38%. Et comme vous voyez, il y a un énorme écart entre ces deux chiffres-là, et dépendant des publications. Pourquoi ? Parce que simplement, la définition de la normalité des ouvertures buccales n'est pas commune, elle est dispersée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous allez voir un peu la littérature sur le sujet de la normalité d'une amplitude d'ouverture, vous allez voir que vous avez une grande variance. Par exemple, dans cette étude-là qui est faite en Inde, sur 400 patients adultes de 17 à 60 ans, conclut que la moyenne d'ouverture buccale chez les hommes était de 51 mm, avec un écart assez grand entre 33 et 68 mm, comme vous voyez. Et vous avez une moyenne d'ouverture chez les femmes de 46 mm, avec un écart énorme entre 39 et 58 mm. Alors qu'une autre étude qui est faite en Irlande, sur 1500 patients sains, âgés de 16 à 99 ans, donc ce sont des adultes, trouve une moyenne de 43 mm chez les hommes et de 41 mm chez les femmes. Donc, vous voyez un peu la disparité dans la normalité de l'amplitude, dépendant des publications. Tout ça pour vous dire que quand on va mesurer une ouverture et définir si elle est normale ou pas, on a beaucoup de divergences dans les avis. Ce qui est important, c'est qu'en clinique, comme chez les patients, comme partout, on utilise grossièrement les trois doigts pour dire que nous avons une ouverture normale. On peut utiliser les pieds à coulisses, les réglettes et tout ce que vous voulez, mais en général, la moyenne, c'est trois doigts. Alors, il fallait quantifier cette moyenne-là, donc cette petite mesure empirique avec les doigts. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Trois doigts équivaut en moyenne à 47 mm, alors que 4 doigts équivaut à 58 mm. D'autres études qui vous disent que 3 doigts valent 42 mm, mais moyennement, une ouverture normale doit être équivaut à 3 doigts. Cette ouverture, elle est aussi variable dépendant de la typologie faciale. Par exemple, chez les hyperdivergents, vous avez une ouverture qui va dépasser les 55 mm avec des laxités ligamentaires, alors que les hypodivergents, vous avez une ouverture qui peut aller en dessous des 3 cm. Mais ce qui est important dans toute l'affaire, ce n'est pas l'ouverture, c'est tout ce qui est autour de ça. Et il y a des paramètres à prendre en considération, comme par exemple la propulsion, les mouvements de propulsion, les déductions droite et gauche, qui doivent être mesurés pour pouvoir faire ce qu'on appelle le diagramme de Farah et définir la normalité de l'ouverture en plus des signes cliniques. Ce qui est important de savoir, c'est que dans 10 ans, les hommes perdent 1,4 mm, donc 1,5 mm d'amplitude, alors que les femmes perdent à peu près 1 mm, et aussi qu'à partir de la cinquantaine, on ouvre moins la bouche, simplement à cause de la fibrose au niveau des tissus musculaires et de l'hypomobilité de l'articulation temporomandibulaire. Alors, pourquoi c'est important de diagnostiquer et de traiter ces limitations-là? Simplement parce qu'on peut avoir facilement des complications qui vont s'en suivre. Comme par exemple dans des milieux hospitaliers, quand vous avez une urgence, il est difficile de gérer les voies respiratoires. Parfois, nous avons une difficulté dans l'alimentation, donc le patient n'arrive pas à bien mastiquer et avaler, donc ça va affecter son état général. Il est important de traiter parce qu'on aura systématiquement des mauvaises hygiènes qui vont être à la base des infections orodentaires. Aussi, parfois, vous avez des patients qui se plaignent d'une difficulté dans les paroles, dans l'élocution des paroles, par exemple, les lettres, les mots ne se prononcent pas mal à cause de la position de la langue et de l'incapacité de faire déplacer les muscles qui sont impliqués dans la phonation. Vous avez un risque d'avoir des aspirations des objets étrangers. Et le plus important, dans un cabinet dentaire, il n'est pas facile de faire un traitement de bonne qualité si vraiment on a un patient qui se fatigue rapidement ou qui a une limitation d'ouverture.
Donc, la qualité de nos traitements, que ce soit en DR, en endo, en prothèse, en chirurgie, ne sera pas idéale, étant donné que nous avons un patient soit avec une ouverture limitée, soit, vous le saurez plus tard, il ouvre, mais il se fatigue rapidement, présentant une dysfonction chronique. Alors, quelles sont les causes de ces limitations-là, de ces restrictions-là? Il y en a plein. Ça peut aller des causes systémiques, générales, jusqu'aux causes locales. Donc, on peut avoir des origines musculaires, donc la tétanie, les épilepsies, les lésions cérébrales avec des lésions au niveau des nerfs moteurs, les artérites à cellules géantes, les myosites. Ça pourrait être aussi d'origine congénitale, mais aussi psychologique. On a beaucoup de cas, mes collègues dans le service le savent, on a reçu beaucoup de cas avec des psychoses, des dysfonctions psychologiques qui ont provoqué une certaine limitation avec une élocution difficile. Vous avez des causes iatrogènes, comme par exemple chez les cancéreux qui se font traiter par des radiations. Vous avez parfois, mais c'est rare, des néoplastes au niveau de la tête condylienne, vous avez des infections à l'origine des trismus, qu'on appelle trismus, comme des infections dentaires, les parodontites ou autres. Vous avez beaucoup de médicaments qui peuvent provoquer des limitations par overdose, les antipsychotiques, les myorelaxants. À la surprise, la toxine botulique peut provoquer temporairement des limitations d'ouverture. Les vaccins, les anesthésiques locaux, que ce soit dentaires ou non dentaires, plutôt dans la région périgoïdienne. Les biphosphonates qui sont utilisés pour traiter l'ostéoporose peuvent provoquer des ostéonécroses au niveau de la mâchoire, donc qui se manifestent parfois par des trismus. Et donc, il y a toute une catégorie et de panoplie de médicaments qui peuvent être à l'origine des limitations de l'ouverture buccale. Les traumas sont ici pour faire des limitations, des traumas au niveau de la branche montante, des traumas au niveau de la base du crâne, provoquant des hématomes par exemple, des traumas au niveau de l'arcade zygomatique, là où vous avez l'insertion du masséter. Vous avez des causes iatrogènes comme par exemple les post-chirurgies, les cicatrices, chez nous les dentistes, les injections régionales, qui peuvent provoquer des hématomes au niveau du ptérygoïdien. Mais aussi, on peut avoir des causes posturales. Vous savez bien la relation entre la posture et les dysfonctions crânio-mandibulaires. Et donc, on peut avoir des limitations à cause des colliers, de la flexion de la tête. Mais aussi, on peut avoir, et ça, c'est notre sujet aujourd'hui, des limitations à l'articulation temporomandibulaire. Par exemple, les fibroses, donc vous avez des fibroses, vous avez des ankyloses osseuses aussi. On peut avoir des infections intra-articulaires, mais on peut avoir aussi des inflammations qui provoquent des limitations, les ostéonécroses. Vous avez les synovites. On peut avoir des corps étrangers dans l'articulation elle-même, ce qu'on appelle les au niveau de l'articulation concernant le disque articulaire comme des déplacements réversibles et irréversibles qui peuvent provoquer des limitations de l'ouverture buccale. En fait, ces limitations en relation avec les dysfonctions crânio-mandibulaires, ce qu'on appelle actuellement de orofacial pain, d'accord, représentent à peu près 15% des limitations. Donc, de l'ensemble des limitations, ça représente 15% qui sont en relation avec les dysfonctions crânio-mandibulaires. Et généralement, les patients qui se présentent chez les dentistes pour comme cause principale les limitations ne sont pas très nombreux. À peu près 24% uniquement des patients viennent pour se plaindre d'une limitation. En fait, pourquoi ? Parce que si cette limitation n'est pas associée à une douleur, les patients s'en passent. Si vraiment on a pas mal, on a une limitation, on passe à côté, quelques médications, quelques
anti-inflammatoire et ça devient chronique. Et ce qui est intéressant, ici, je présentais une petite étude qui vient d'être publiée, très intéressante à ce sujet-là. C'est une étude longitudinale sur 7 ans dans un village suédois sur à peu près 9000 consultations. Imaginez le nombre, qui a été publié au Journal of Dental Research. En fait, on voulait un peu voir la relation entre ce qu'on appelle le jaw locking catching et la douleur. Donc, le verrouillage blocage et la douleur. Et les auteurs concluent que, bien sûr, les femmes avaient plus de prédisposition à être soumises à des blocages verrouillages. Mais ce qui est intéressant dans l'étude aussi, c'est que à peu près les trois quarts des patients avaient soit mal, soit un blocage verrouillage. Et que uniquement 13% de ces patients avaient en même temps une douleur et un blocage. 1% avait une douleur suivie par un blocage et 1% uniquement avait un blocage suivi par une douleur. Et donc, c'est très intéressant. C'est une raison pour laquelle souvent ces limitations passent inaperçues parce que les patients n'ont pas mal. Alors, dans sa forme clinique, les limitations se divisent en deux parties. Vous avez les limitations qui sont aiguës, douloureuses et soudaines. Et vous avez des limitations chroniques qui viennent progressivement, mais vraiment qui sont silencieuses. Dans la forme aiguë, alors là, ça se passe rapidement, brusquement. Le patient se réveille ou bien le patient, il a eu un petit incident la journée, par exemple un trauma, et j'appelle incident, une dans sa vie, c'est un incident, un composite en suroclusion, un incident, un trauma externe, un incident, qui vont provoquer une limitation et ou une douleur, comme on a vu. Et en fait, c'est à travers uniquement un examen clinique approfondi et l'historique qu'on va pouvoir, chez ces patients qui sont en urgence, poser un diagnostic et faire un traitement d'appoint. Et donc, on va se baser, à part l'anamnèse, l'historique, on va se baser sur l'observation qui est très importante de l'amplitude et de la direction de l'ouverture buccale, mais aussi on va palper, examiner les muscles, la sensibilité de ces muscles, de l'articulation, de l'ouverture, du claquement. Et donc, on va prendre ces données-là, faire notre diagnostic primaire et passer vers un traitement d'appoint. Et donc, dans cette catégorie de limitations aiguës, soudaines, cliniquement, on est en présence de deux modalités. Soit que votre patient, il est bloqué complètement, soit que votre patient, il a une petite élasticité. Dans le premier cas, le patient qui arrive avec une limitation, défié s'il est d'un seul côté, vous essayez de forcer l'ouverture, vous trouvez qu'elle est acceptable. On arrive à gagner quelques millimètres. Le patient se plaigne de douleurs musculaires, mais l'important aussi, c'est que votre patient vous dise « Oui, docteur, j'avais mal quand je mangeais des sojduz. Ambekul man ouché, oujaat, ambekul khebze, oujaat. » Donc, ce sont des douleurs musculaires qui datent depuis un certain moment. Et là, je dois ouvrir une parenthèse. Il faut différencier entre une déviation à gauche et une déflexion à droite. Dans la déviation, la mandibule fait son mouvement, elle dévie de son chemin d'ouverture pour revenir à son chemin normal. Dans une déflexion, la mandibule dévie d'un seul côté sans revenir. Et donc, ces patients se présentent avec une déflexion, ce qui est le résultat d'un spasme musculaire. Et donc, là, le but, c'est de relâcher cette musculature spasmée, notamment le ptérygoïdien, qui, si vous le palpez, le patient va sursauter, bien sûr. Et donc, on commence par poser une orthèse intrabuccale. Elle peut être un appareil de coïs avec un seul point. Elle peut être le plan rétro-incisif. Elle pourrait être un diprogrammal. L'important, c'est qu'on ait quelque chose en butée antérieure pour pouvoir déprogrammer ces muscles-là, ramener le condyle en place. Bien sûr, une médication va aider à base de myorelaxant. Si vraiment le cas est difficile, alors là, il faut poser une petite butée antérieure qui va permettre à la mandibule de reprendre sa place. Si vraiment ceci est difficile, alors là, il faut infiltrer avec un anesthésique dans la région ptérygoïdienne, en dessus de la suite supérieure, et
Généralement, l'anesthésie donne un effet de myorelaxation et un effet antalgique, ce qui va résoudre le problème au bout d'un certain moment. Est-ce que dans ces cas-là, la toxine botulique va aider? Eh bien, non. La toxine botulique, ou ce qu'on appelle le Botox, vous savez bien que la moyenne de début d'action est de 5 à 6 jours, voire une semaine. Et dans des cas pareils, en cas d'urgence, on ne va pas attendre une semaine pour résoudre un problème. Donc, les toxines botuliques dans les cas aigus ne servent pas beaucoup. La deuxième forme, c'est la forme qui, pour vous et pour le patient, est dure. Donc, le patient se présente avec une limitation aiguë, donc il ne peut pas ouvrir. Vous essayez de forcer l'ouverture, elle est vraiment rigide, et le patient se plaint d'une douleur juste dans l'oreille. Il vous dit « Docteur, j'ai mal dans l'oreille ». D'accord ? Ce qui est important dans ces formes-là, c'est l'anamnèse. Souvent, vous demandez au patient, il vous dit « Oui, j'avais un claquement qui a disparu ». Effectivement, donc ce qui se passe, je vais faire passer une petite vidéo qui est très intéressante là et qui est bien faite. En cours normal, vous avez une synergie d'ouverture entre le condyle et le disque articulaire. Et donc, vous voyez un peu, le mouvement se fait d'une façon synergique, donc un mouvement grâce au système neuromusculaire qui va faire ce déplacement continu entre le disque et le condyle jusqu'à ce qu'au point où nous avons un déplacement du disque en avant, ce qui va provoquer au début un claquement comme vous le voyez. Donc, à l'ouverture, le condyle reprend la partie postérieure, il dépasse le brolet postérieur pour faire un claquement jusqu'au point où, un jour, ce qui va se passer, c'est un verrouillage complet, le disque est en avant et le mouvement mandibulaire, il est restreint, il est bloqué. Et donc, quand vous demandez à votre patient, le plus simple de dire, oui, docteur, j'avais un claquement qui est disparu. Effectivement, dans ces cas-là, vous avez une douleur musculaire due à un spasme d'un muscle qui est thyroïdien, qui est attaché au disque articulaire, mais vous avez aussi une inflammation intra-articulaire. Alors parfois, il faut faire attention, vous avez une attitude antalgique des patients qui empêche l'ouverture. Là, il faut commencer toujours par rassurer le patient. Souvent, quand vous faites une petite manipulation et vous le rassurez, le patient il ouvre bien. Sinon, il faut infiltrer quand c'est vraiment un cas rebelle. On infiltre et on va immédiatement manipuler. Comment est-ce qu'on va manipuler? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous avez la technique de Farrar, la technique de Mongini, vous avez les cotton rolls. L'important, c'est de pouvoir réussir. Laquelle est meilleure? Ça dépend de la capacité et de la pratique du praticien. Chacun a sa méthode. Ce qui est important, c'est de le faire immédiatement. Une fois réussi, poser une orthèse intrabuccale de façon à empêcher les récidives, parce que souvent dans des cas pareils, les patients vous disent « Oui, docteur, je suis parti à la maison, j'ai rebloqué de nouveau. » Et donc, vous vous instaurez une médication à base d'anti-inflammatoire. Parfois, les causes sont évidentes. Exemple, une dent sagesse qui est en train de pousser, on le voit bien, on voit qu'elle provoque une interférence non travaillante. Là, on peut se permettre de prendre la turbine et de faire un petit polissage au niveau d'une des cuspides provoquant l'interférence. Donc, si vraiment on est capable de localiser l'étiologie intrabuccale qui a provoqué ce blocage, que ce soit au niveau des muscles ou de l'articulation, on peut le faire immédiatement. Une carie, un tassement alimentaire qui va provoquer un mouvement d'évitement. Donc, immédiatement, on peut résoudre ce problème-là. Ce qui est important dans des cas pareils, c'est de passer rapidement à l'action parce que souvent, si c'est délaissé, on passe de l'état aigu à l'état chronique, comme on va voir plus loin. Et donc, plus que vous voyez votre patient rapidement, plus que vous avez une chance de réussir. Si vous dépassez 3-4 jours, alors là, on a tendance à avoir du mal à remanipuler. Est-ce que dans des cas pareils, on se demande, est-ce que dans des cas pareils, les micro-actes chirurgicaux, comme par exemple l'arthrosynthèse, l'arthroscopie et la chirurgie, peuvent aider? Eh bien, pas nécessairement. Les études, généralement, sur ce sujet-là, concluent que
les actes mini-chirurgicaux, ce qu'on appelle les arthrosynthèses, les arthroscopies, ne sont pas de nécessité et peuvent ne pas donner des résultats. Il suffit uniquement, dans ces cas-là, d'utiliser les moyens les plus simples, les moins invasifs, et d'essayer de manipuler immédiatement, simplement parce que vraiment, dans la littérature, on n'a pas de consensus sur vraiment l'efficacité, oui ou non, de ces actes dans les cas de blocage aigu rapide. La deuxième forme de limitation, c'est la forme chronique. Alors, au début, c'était une forme rapide, aiguë, douloureuse. Là, alors, ça se complique davantage. Dans la forme chronique, qui généralement est une forme qui est survenue après 6 à 7 mois de blocage non traité, les choses se passent progressivement, mais aussi parfois silencieusement. Alors là, il faut faire attention parce qu'en dessous, on peut avoir beaucoup de pathologies, beaucoup de causes qui sont cachées. Des maladies systémiques, des causes cancéreuses, tumorales, des causes infectieuses, mais vraiment, vraiment, dans les cas chroniques, il faut prendre le temps pour examiner le patient, faire une bonne anamnèse, demander les radios nécessaires, travailler avec des confrères médecins pour faire tout ce qui est du point de vue examen médical, éliminer toutes les pathologies extra-buccales, extra-mandibulaires, extra-articulaires et se concentrer, si vraiment c'est le cas, sur le traitement qui prendra beaucoup de temps parfois et au moins savoir bien diagnostiquer. Donc, parmi les causes des blocages chroniques, on peut aller des déplacements discaux, donc intra-articulaires, jusqu'aux, par exemple, les ankyloses, l'hyperplasie au niveau du coronet. Mais le plus important, c'est de pouvoir diagnostiquer un déplacement discal, une désunion discocondylienne chronique. Généralement, les cas chroniques sont mal diagnostiqués. Pourquoi ? Parce que soit on les découvre fortuitement, le patient vient chez nous, il est au cabinet dentaire, il fait un traitement pour des soins prothétiques, soit endodontiques, on découvre qu'il a une déflexion ou une limitation. Ces patients-là, généralement, n'ont pas beaucoup mal. Ils se plaignent uniquement d'une douleur au niveau de la tête, ils vous disent des migraines. Ils se plaignent des douleurs dans l'oreille. Donc, ils définissent les douleurs articulaires comme des douleurs au niveau de l'oreille. Ces patients se sont traités eux-mêmes. Comment ? Ils se limitent dans la mastication. Donc, ils ont été avisés parfois de ne pas mastiquer. Ils prennent l'habitude. Donc, ils mastiquent de moins en moins. Ils ouvrent de moins en moins la bouche. Ils ne dépassent pas le seuil de douleur. C'est pour cela que ces limitations passent inaperçues. Alors, souvent, c'est soit une attitude antalgique qui a provoqué cette limitation chronique, soit vraiment il y a un obstacle mécanique qui a transformé la limitation aiguë en limitation chronique. Donc, généralement, ces patients se présentent avec une déflexion avec une limitation, mais vraiment n'est pas aiguë, donc elle peut dépasser les 30 mm. Ils vous disent, docteur, j'ai mal à la tête, j'ai une douleur précisément là, dans l'oreille. Donc, il faut faire attention, ne pas se méfier aux apparences. Les patients, généralement, regardez bien, ils ouvrent, mais avec une certaine douleur. Mais quand est-ce qu'ils ont mal ? Ils ont mal quand ils forcent l'ouverture. S'ils font un mouvement latéral, généralement, il est normal, sauf s'ils font un mouvement latéral du côté opposé à l'articulation atteinte. Pour cela, ces patients-là mangent d'un seul côté. Généralement, c'est le côté atteint parce que le condyle de ce côté-là ne bouge pas. C'est le condyle opposé qui va bouger. Donc, dans les cas chroniques, il faut se méfier aussi parce qu'on peut avoir des fausses limitations. Les patients, s'ils ne sont pas éduqués à ouvrir la bouche, ils restent des mois, voire des années, avec une position antalgique. Donc, ils font uniquement le mouvement qui leur permet de ne pas avoir mal. Regardez bien. Ça, c'est la patiente qui fait des mouvements à droite comme à gauche. Mais en ouverture, elle est bloquée. Elle fait une déflexion du côté, d'un seul côté. Voilà aussi, donc, une déflexion avec une légère douleur. Mais quand vous faites une
éducation. Donc, vous demandez à la patiente de faire une ouverture en avancée mandibulaire, ces patients ouvrent bien. Donc, ce qui est important à savoir dans ces cas-là, c'est que le diagnostic des limitations chroniques, il est un peu difficile. Il faut se méfier à ne pas prendre les mesures données par le patient, donc les amplitudes données par le patient. Il faut toujours chercher à ce qu'on puisse faire une ouverture davantage par des mouvements à droite ou à gauche. Comme ça, on pourrait vraiment diagnostiquer la pathologie. Donc, regardez bien, ça c'est un cas de limitation chronique. Voilà. Donc, le mouvement de côté, il est acceptable. Le mouvement d'ouverture, il est défléchi d'un seul côté, mais il est ample. D'accord? Donc, l'amplitude, dans ce cas-là, signifie une ancienneté au niveau de la dysfonction articulaire. C'est un cas de déplacement discal irréversible, donc non réductible, ancien. Avec le temps, la patiente s'est forcée à ouvrir davantage la bouche. Généralement, elle mange bien, mais elle se plaint d'une douleur à la fin de l'ouverture. Donc, une fois que nous avons entraîné la patiente à faire un mouvement à partir d'une position qui n'est pas sa position habituelle, effectivement, regardez bien, elle va faire un mouvement d'une position thérapeutique et elle va ouvrir jusqu'à une ouverture plus ample, sans douleur. Donc, ce n'est pas que la patiente ne pouvait pas ouvrir, c'est que la patiente ne voulait pas ouvrir parce qu'elle avait peur d'avoir mal. Toujours, ces conditions chroniques peuvent présenter un piège au médecin. Voici un cas d'un physiothérapeute. Regardez bien, une limitation qui date depuis des années avec un mal de tête. Le patient s'autocorrigeait lui-même. Écoutez bien. Voyez? Donc, il ouvre, il tire la mandibule en avant, il continue son chemin à ouverture. Regardez bien. Donc, voilà. Donc, ce sont des cas pièges parce qu'effectivement, si vous forcez un peu l'ouverture, il va aller plus loin. C'est un patient qui a su le savoir. D'autres patients ne savent pas le faire. C'est pour ça qu'ils se présentent avec des douleurs en fin d'ouverture parce qu'ils vont forcer le mouvement mandibulaire jusqu'au point où tirer le ligament postérieur et provoquer des douleurs. Donc là, le traitement est très simple. Il faut mettre le patient dans des positions thérapeutiques. Bien sûr, comment est-ce qu'on finit ces cas-là? C'est un peu plus compliqué par l'orthodontie, par une décompression articulaire, par des inlays, donc c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut éduquer le patient à partir d'une position thérapeutique, regardez bien, qui lui permet de faire un mouvement sans douleur, sans blocage. Vous voyez? Donc, un deuxième cas de limitation chronique, c'est un jeune homme qui se présente avec des douleurs à la fin de l'ouverture. Regardez, généralement, les dysfonctions chroniques ne sont pas douloureuses. Et les patients vous disent, oui, docteur, j'ai mal quand je mange, j'ai mal à la fin de l'ouverture, j'ai mal quand je bâille. Sinon, si l'alimentation est moyenne, elle est molle, on a pas mal. Donc, c'est un piège pour les examinateurs. Donc, vous voyez un peu, le patient l'a bloqué. Donc, un mouvement d'ouverture bloqué. Il avance en avant, il fait un mouvement normal. D'accord? C'est un patient qui a pu le faire. D'autres ne savent pas le faire. Voilà. Il a fallu simplement poser une orthèse intrabuccale de façon à limiter le retour à la position initiale. Donc, ce patient va commencer son mouvement, vous voyez, à partir d'une position thérapeutique par élimination du retour à sa position initiale, l'OIM. En général, dès qu'on a une limitation chronique, il faut toujours penser à deux choses. Soit nous avons une adhérence
intra-articulaire, c'est-à-dire que le disque est en avant, il est collé au compartiment supérieur, ce qui va provoquer un blocage au condyle. Ce condyle-là, pour pouvoir se déplacer, il a besoin d'un mouvement excentrique. Et il faut différencier avec les déplacements très anciens, on verra plus loin, où le disque n'est pas collé, mais il est trop loin en avant. Voici un deuxième cas de blocage articulaire par adhérence. Regardez bien, la patiente, pareil, elle fait son mouvement, elle tire la mandibule en avant, elle fait son claquement, elle dépasse pour avoir une ouverture normale. Donc, dans ces cas-là, c'est très simple. Voilà. Voilà le résultat. Quand votre patiente se met dans une position thérapeutique, automatiquement, elle fait son mouvement normal. Donc, parfois, ces patients eux-mêmes réduisent leur blocage. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, ils prennent l'habitude de faire un mouvement excentrique pour ouvrir la bouche. Dans la position normale, ces patients ne peuvent pas manger. Pour le faire, ils ont besoin de faire un mouvement excentrique thérapeutique pour eux et continuer le mouvement. À savoir une chose, c'est que la plupart des déplacements des disques articulaires n'est pas antérieur, elle est antéro-latérale du fait de l'anatomie et de la direction des muscles attachés au niveau des disques articulaires. Ce qui fait que ces déplacements se font en avant et en dedans. Pour cela, nos patients essaient de chercher une position latérale pour commencer leur mouvement d'ouverture. Voici un cas de blocage, de verrouillage, de limitation chronique. C'est une patiente qui a subi plusieurs injections par toxine botulique. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la toxine botulique. Souvent, ces patients sont injectés sans aucun diagnostic. La toxine va soulager le patient. Au bout de quelques mois, 6 mois, 4 mois, les symptômes reviennent. On se fait injecter une deuxième fois. Donc, ça, c'est un cas de limitation. Regardez bien. La patiente se plaint d'une douleur avec une limitation. À peine qu'on ouvre la bouche, on a mal. Les mouvements latéraux sont acceptables, mais les mouvements normaux sont difficiles. Alors là, il faut faire attention. On en reviendra. Il faut faire attention quand on a des cas cliniques comme ça. Il faut toujours, toujours, toujours commencer par relâcher la musculature. Et quand on fait un examen de l'occlusion, souvent on tombe dans le piège, l'occlusion elle est parfaite. La patiente ne représente aucun symptôme, mais une fois que nous avons posé une butée antérieure, on a eu un relâchement musculaire et à la manipulation de sa centrée, qu'est-ce qu'on découvre? Une interférence au niveau de la septe supérieure. Donc, il a suffi de poser une butée antérieure et d'éliminer cette interférence qui a été mal diagnostiquée à cause de la position dentaire normale pour résoudre le problème. Et vous voyez, donc, dans quelques minutes, le problème s'est résolu simplement parce qu'on a pu poser le bon diagnostic. On était là devant une limitation musculaire qui provoquait une douleur avec une normalité de l'occlusion. Donc là, vous voyez un peu, après le traitement, qu'est-ce qui s'est passé. On est devant une ouverture plus ou moins normale, disparition des douleurs par simple butée antérieure. Parfois, ces douleurs sont antalgiques, mais parfois aussi, elles sont antalgiques et mécaniques. Donc, dans les cas, par exemple, avancés, comme cette patiente-là, d'un certain âge, qui se présente avec une douleur aiguë, forte douleur, et elle était incapable de manger, de parler. Regardez bien, elle avait trop mal quand elle a fait son mouvement d'ouverture. Donc, elle n'arrivait pas à ouvrir, elle se forçait à ouvrir. Et les cas douteux comme ça, il faut toujours passer par des CBCT pour l'articulation. On sait bien que pour les cas articulaires, les IRM sont idéales, mais quand on soupçonne des pathologies osseuses d'un certain âge avec un état général qui est affaibli, des problèmes rhumatismaux,
il faut toujours demander un CBCT des articulations. Et souvent, vous découvrez des choses comme par exemple les osteoarthritis, où vous avez une dissection complète de la tête condylienne avec l'apparition de ce qu'on appelle les kystes, l'hélicystes à ce niveau-là, un écrasement, voire disparition de l'espace interarticulaire et une limitation aiguë avec des poussées de douleur. Alors, dans ces cas-là, il est bien de savoir que les patients passent par des phases de douleur, comme toute pathologie rhumatismale. Dans les osteochondrites, osteoarthritis, vous avez une poussée parfois mensuelle, parfois saisonnière, qui signifie un mouvement ostéoclastique au niveau de l'articulation. Et si vous faites une IRM, vous voyez un peu le disque, il est trop loin, un bec osseux qui a déchiré ce disque avec une disparition complète de l'espace interarticulaire. Alors, quelles sont les causes de ces pathologies-là? On peut être devant une maladie générale. Généralement, elles sont plus présentes chez les femmes. Elles sont éventuellement en relation avec des déséquilibres hormonaux comme la diminution de l'estrogène, la diminution des vitamines, de l'oméga 3. Une compression articulaire peut provoquer ceci. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ces pathologies apparaissent dès l'adolescence. Donc, ces jeunes patients vous disent « oui, j'avais mal, j'avais des séances et puis ça disparaissait ». Donc, c'est des pathologies anciennes qu'on les voit à un certain âge avancé. Alors, quel est le traitement idéal pour ces pathologies-là? Généralement, il faut toujours décomprimer par des orthèses intrabucales. Mais aussi dans ces cas-là, les mini-interventions comme par exemple les arthrosynthèses peuvent aider beaucoup. On réalise ceci soit par des trocars unitaires, donc des aiguilles unitaires, soit par une double aiguille, ça dépend des auteurs. Donc généralement, on rentre au niveau du compartiment supérieur de l'articulation par une aiguille, un trocar, et on a soit une deuxième sortie, soit l'aiguille elle-même sera la sortie, dépendant des techniques qu'on va utiliser. On va laver l'articulation avec un sérum, un Runge's lactate. Donc là, vous voyez un peu mon ami Dr Halabi qui fait une infiltration de sérum physiologique au niveau de l'articulation. Donc là, vous avez deux entrées, une entrée et une sortie. Donc, il faut toujours faire une pression pour faire un lavage intra-articulaire. On peut associer à ce lavage-là une injection de corticostéroïdes, ça dépend des patients, ça dépend des cas. On peut associer une injection d'acide hyaluronique. Parfois, on réalise ce qu'on appelle la PRP. Ça dépend des cas, ça dépend des praticiens. Quelle serait la meilleure, les études cliniques, les études scientifiques ne préconisent aucune technique envers l'autre. Immédiatement, parfois, vous avez un soulagement du patient. Donc, là, je vous disais, nous avons plusieurs techniques, soit la technique d'une seule aiguille, soit les techniques avec une aiguille et une sortie. Ce qui est important, c'est que les patients, souvent, sont soulagés et quand vous les voyez après un certain moment, vous voyez plus ou moins, il y a une meilleure amplitude dans l'ouverture. Il n'y a pas de guérison complète, simplement parce que vous avez une destruction au niveau de la tête condylienne. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une certaine avancée dans l'ouverture. Vous avez une limitation dans quelques mouvements, mais le patient pourrait éventuellement reprendre la mastication normale. Souvent, on préconise l'ingénierie tissulaire à ces cas-là, donc les injections de cellules mésenchymateuses, mais toujours, on est en recherche. Voilà, donc voici un dernier cas que je présente. C'est une patiente qui s'est présentée avec des limitations chroniques, avec une déflexion, des douleurs chroniques. On revient au sujet de la toxine botulique. Elle a été injectée plusieurs fois, à plusieurs reprises, par des injections qui donnaient un effet antalgique. Au bout de quelques mois, ça disparaissait.
Et on avait une déflexion complète, mais qui n'était pas, vraiment, qui n'était pas aiguë, elle était acceptable de 30 mm. Et dans des cas pareils, la première chose à faire, c'est de demander une radiologie, donc une radio de d'IRM. C'est le meilleur examen, puisqu'on peut voir la position du ménisque, du corps du disque. Et là, vous voyez un peu où nous avons un disque déplacé en avant, plicaturé, donc il n'est pas adhérent comme les cas précédents. Ce disque, il a perdu sa fonction normale, mais aussi sa morphologie normale. Et comme vous le voyez, il est libre, il se déplace. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le patient va pousser davantage ce disque-là. C'est pour cela que ces patients ne sont pas complètement bloqués. Ils arrivent à faire quelques mouvements puisque leur disque se déplace avec le condyle. Souvent, ces patients-là, ils se trouvent avec des disques perforés, mais fonctionnels. Donc, le traitement, c'est très simple. Comme la plupart des cas, il faut commencer par poser des orthèses de décompression dans l'articulation pendant une certaine période et éventuellement aller faire l'arthrosynthèse qui va aider à la rémission, au lavage de l'articulation, lavage des tissus inflammatoires présents, ce qui va améliorer l'ouverture et la fonction. Donc là, vous voyez, après un certain moment, je ne sais pas si la vidéo, voilà. Donc, on n'a pas d'ouverture normale, mais le mot est très précis, nous avons un claquement. Et quand vous entendez un claquement après un traitement des blocages chroniques, soyez heureux, on est repassé à la phase de déplacement discal réductible, qui pour nous est un succès dans ces cas-là. Voilà donc, à la fin, on rétablit une certaine fonction. On n'aurait jamais la fonction normale, on n'aurait jamais l'ouverture rectiligne normale, mais on a une fonction acceptable pour les patients sans douleur. Comment finir les cas? C'est un autre sujet. Faut-il passer vers un traitement dentaire, orthodontique, prothétique? Faut-il ne rien faire? Alors ça, c'est une grande question, un grand sujet. Voilà. Et finalement, pour terminer, parfois, il suffit de faire un traitement très simple, poser une orthèse, une gouttière intrabuccale pour soulager des patients avec des pathologies chroniques et graves, comme les cas, par exemple, osteochondritis, là où vous avez une destruction au niveau de la tête condylienne. Il n'y a pas moyen que de donner des médicaments nécessaires pendant les poussées inflammatoires. Poser une orthèse intrabuccale portée le plus longtemps possible, ce qui va décomprimer l'articulation, et travailler un peu sur l'état hormonal, les glucosamines, pour pouvoir lubrifier cette articulation. Voilà, je dois vous remercier. Je remercie toute l'audience. Je vous invite à visiter Beyrouth prochainement. Dans ce joli temps, et je dois remercier l'équipe d'Ottawa Sol, Dr Nada, Dr Kemel. Oui. Don't you have a chance to try, by the way?
Merci, cher professeur, pour cette riche présentation, pour votre générosité et pour votre sens du partage. Alors, nous allons maintenant passer à la section des questions et réponses. Si on a des questions, on va commencer notre section tout de suite. Alors, comment la gestion des limitations? Première question. Comment la pratique quotidienne des professionnels de la santé buccale? Effectivement, généralement, que ce soit dans les milieux hospitaliers ou chez les dentistes, les orthophonistes, tous ces professionnels-là, généralement, ils sont avisés à faire un bon questionnaire, puisque souvent, les migraines, les maux de tête, les maux des oreilles sont en relation avec les dysfonctions crânio-mandibulaires. Donc, si votre patient se plaint de douleurs autour de l'articulation, donc la tête, les mâchoires, le cou, il faut soupçonner une pathologie dans l'articulation et faire une anamnèse poussée, un historique poussé, des questionnaires poussés pour éventuellement diagnostiquer une éventuelle pathologie. Quand on soupçonne ceci, il faut vraiment adresser le patient à un spécialiste. Très bien. Alors, quelles sont les dernières avancées dans la recherche sur les limitations de l'épithèle buccal et les perspectives d'avenir en matière de traitement? Voilà, exactement, une très bonne question, effectivement. J'en ai parlé un peu puisque j'ai présenté quelques cas avec des arthrosynthèses. À part les traitements classiques par orthèse, par médication, on a tendance à aller vers surtout dans les cas chroniques, hein, on parle des cas chroniques là, vers des injections intra-articulaires. Maintenant, je pense, dans la question, ils veulent un peu signifier les traitements par toxine botulique, par le Botox. Effectivement, on a beaucoup utilisé ce produit-là, mais effectivement, il faut savoir bien différencier entre un traitement par toxine botulique, par Botox, pour les cas aigus et pour les cas chroniques. Pour les cas chroniques, éventuellement, ça peut aider une injection après avoir bien diagnostiqué la pathologie. Si vraiment on injecte sans diagnostiquer, on sera obligé de répéter ces injections après 4 mois, 5 mois et ça ne va pas donner d'effet. Donc, les injections botuliques sont un traitement actuel à condition que ça soit bien indiqué après un bon examen clinique. Deuxièmement, nous avons actuellement, on fait beaucoup d'injections, ce qu'on appelle les PRP. Donc, c'est une injection qui se fait au niveau de l'articulation avec ou sans lavage. On va prendre une quantité du sérum et on va l'injecter directement. Pourquoi? Simplement parce que les articulations, elles sont très mal lubrifiées, elles sont très mal innervées, elles sont très mal servies par les artères. Et donc, facilement, elles sont desséchées. Et dans les cas, par exemple, de limitation chronique, dans les cas de maladies dégénératives au niveau de l'os, elles trouvent leur indication. Troisièmement, actuellement, on a tendance à aller vers, comme dans toutes les spécialités de la médecine, vers les cellules souches. On fait une culture, on injecte dans l'articulation. La PRP est un moyen de cellules souches, donc puisqu'on va amener des plaquettes dans l'articulation qui vont aider à la régénération du fibrocartilage qui est souvent cassé dans l'articulation. Voilà. Existe-t-il des facteurs de risque spécifiques qui peuvent contribuer au développement des limitations du vertèbre buccal? Oui, comme on avait déjà dit, les hyperlaxes. Les problèmes hormonaux, donc ce sont des facteurs prédisposants. On a les facteurs dentaires, comme les classes 2, les pathologies au niveau hyperdivergent, où vous avez une laxité ligamentaire. Vous avez les bruxors, donc ceux qui grincent les dents, donc c'est un facteur de risque. Nous avons tout ce qui est autour de ce qu'on appelle sleep apnea, obstructive sleep apnea, donc les apnées de sommeil, où vous avez une hyperactivité musculaire.
Vous avez les problèmes dégénératifs qui sont d'ordre général. Donc, il y a plein de prédispositions dentaires, non dentaires, locales et systémiques au dysfonctionnement. Alors, quels sont les conseils et les stratégies d'adaptation que vous recommandez aux personnes vivant avec des limitations de vertu? Voilà, donc, quand on parle des patients vivant avec des limitations, on parle de cas chroniques. Au début, il faut vraiment consulter un spécialiste parce que souvent, on a des résultats avec les traitements, donc c'est pas la peine de rester avec une limitation. Sauf si cette limitation est incurable, il y a toujours des moyens à le résoudre. Si vraiment on a une difficulté, il faut s'entraîner, il y a la physiothérapie, la gymnothérapie, il faut toujours trouver une position où on peut dépasser cette limitation, il faut poser une orthèse, les orthèses, si vraiment le cas est chronique, là on parle de cas chronique, on ne parle pas de cas aigu, les orthèses, ce qu'on appelle les Michigan plates ou les orthèses de décompression sont d'une grande aide. Si vraiment le patient est un grinceur, bruxeur, il faut toujours trouver la cause principale et traiter cette cause principale. Voilà, donc il y a plein de moyens pour vivre avec, pour s'adapter, mais l'important c'est de vraiment pouvoir diagnostiquer et traiter. Et ça, c'est uniquement fait par des spécialistes et le dentiste qui serait le plus capable de gérer ces cas-là. Alors, quel est le rôle des médicaments et des thérapies pharmacologiques dans la gestion des limitations de VEA et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients potentiels? Alors, la pharmacothérapie, alors là, on parle de médicaments d'ordre général et des médicaments d'ordre local. On peut aller des anti-inflammatoires vers les myo relaxants, on peut aller aux vitamines, différentes formes de vitamines, on peut aller vers les lubrifiants, donc les glucosamines, les chondroïtines, on peut faire des traitements par PRP, qui en lui-même est un traitement médicamenteux, mais local. On peut injecter des corticostéroïdes, donc des cortisones dans l'articulation, si vraiment on a beaucoup mal, donc dans les cas douloureux. Donc, tout ce sont des cas de vraiment traitement par pharmacothérapie. Quelles sont les indications? Elles peuvent être indiquées toutes seules dans les cas, par exemple, simples, une myalgie, une douleur simple. On peut se limiter à des myo relaxants. Les cas de blocage dans l'articulation elle-même aiguë, on a recours à des anti-inflammatoires avec toutes sortes d'anti-inflammatoires. Les cas chroniques, par exemple, où vous avez des déformations osseuses, vous avez une résorption de la tête condylienne, là, on peut aller vers des injections de corticostéroïdes, des cortisones, mais vraiment, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas faire beaucoup là. Donc, ça dépend des cas. Alors que si vraiment on parle dans le cas des toxines botuliques, donc c'est aussi un traitement pharmacothérapique. Comme je l'ai déjà dit, il faut faire attention à ne pas le faire sans diagnostic. Souvent, il est fait dans des milieux buccaux où vraiment le patient toujours mal, il n'a pas une résolution. Il est souvent fait sans diagnostic. Les patients se soulagent quelques mois, mais après, on a de nouveau une douleur. On se réinjecte de nouveau et de nouveau, le patient est soulagé avec une période plus courte cette fois-ci. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Les injections médicamenteuses par toxine botulique ont leur indication. Elles sont uniquement indiquées par les professionnels au niveau de la sphère buccale qui doivent le faire, qui doivent l'indiquer après avoir diagnostiqué les dysfonctions. Voilà. Le sévrage de la gouttière se ferait-il progressivement ou de suite après l'atténuation des symptômes? Merci pour cela. Alors, merci à vous. Alors, les gouttières, là, il faut vraiment faire attention. Généralement, si on a un cas chronique, il est conseillé de poser une gouttière de longue période. Par exemple, si vous avez des déplacements discaux non curables, vous avez des ostéoarthrites dégénératives, là, il faut porter la gouttière. Sinon, si vraiment c'est un cas aigu ou un cas chronique qui a été bien résolu, généralement, on fait une gouttière au début pendant 3 mois, quitte à ce que cette gouttière qui
Au début, elle sera portée 24 heures. Elle sera après portée uniquement la nuit. Et si vraiment on ne veut pas finir le cas avec un traitement dentaire ou bien avec un traitement radical, on peut l'interposer pendant 6 mois, une durée de 6 mois la nuit. Voilà. Quels sont les principaux défis rencontrés lors de la rééducation des muscles impliqués dans l'ouverture buccale et comment peut-il être surmonté? Alors, la rééducation des muscles peut se faire après réduction des douleurs. Donc, si vraiment on a mal, on ne peut pas faire une rééducation musculaire. Donc, il faut toujours commencer par un relâchement musculaire, une préparation, soit par une orthèse intrabuccale, soit une préparation par une pharmacothérapie, des médicaments, quitte après à commencer soit la physiothérapie, soit la gymnothérapie. Si vraiment c'est une physiothérapie par des spécialistes, généralement on commence par chauffer les muscles pour diminuer la raideur et on commence les exercices. Si c'est vraiment la gymnothérapie, c'est-à-dire que le patient lui-même fait les exercices, on lui conseille toujours de faire des pommades d'eau tiède, donc de chauffer ces muscles-là, puis passer au mouvement appris par le dentiste. Voilà. Merci, cher professeur. Encore merci à vous, merci à toute l'équipe. Je dois remercier tout le monde. Voilà. Et à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, je tiens à vous remercier encore une fois. Merci à vous, Solien, pour l'intérêt que vous portez à notre série ramadanesque de webinaires. Mes chers professeurs, pour leur intervention scientifique et leur sens du partage. Je tiens également à remercier mes chers collègues, les administrateurs et modérateurs de la plateforme Tawassul pour leur engagement au service des membres de ce groupe performant. À bientôt. Merci. À bientôt. Thank you.